Hey, salut tout le monde, c'est Dahlia et ce Docteur Si incroyable. Et on est de retour dans le Let's Play de Pokémon Soleil et Lune en Duel Lock. La dernière fois, on s'était arrêté sur cette route, on avait capturé deux Pokémon à chier sa mère, hein, Michel Sardine et ton Kecléon. Kecléon, que je me rappelle plus comment tu l'as appelé. Je l'ai appelé Mireille. Mireille. Et du coup, bon, on va pouvoir continuer notre aventure. Ici, on a... Hop, et il y a un truc Zygarde. On aura des zones hein, encore dans cet épisode. Ah, oh, j'aurais pu avoir Pachirisu. Ah. Ouais, je sais pas si c'est mieux en fait. Bon. Moi, j'aurais pu avoir deux duos. Très random, ça. Oh, Magikarp! Waouh! Ah, deux duos utilisent croissance. Oui. Alerte neige de Magikarp, bien sûr! Oh putain. Ah. Allez, casse-toi, hein, je fuis. Ouais. Oh À tes pardon, souhaits. excusez. Merci. Ah, y a un Bob Dylan là. Un fermier. Tu élèves des Pokémon? Oui. Effectivement. C'est un peu le but en fait. Il a un Pokémon, il s'appelle Kennet. Et il envoie Meowcric. Oh, il est cha... What? Je l'avais jamais vu, Shiny. Il est trop beau! Ah, moi je me souviens pas. Bah, il est tout doré en fait. Ouais, c'est Mais ça vrai. rend pas dégueulasse en fait. Ah, vous me direz ça dans les commentaires, hein. Mais Oh, il y a bon. oh, Germignon. Aile d'acier. Germignon au niveau 18. Oh, ma défense augmente avec aile d'acier. Presse. Ah, ça fait des dégâts, Oh! presse. Oh putain, Germignon utilise onde originelle. Oh! Mais J'ai un mignon. cela échoue. Ah ouais? Ça peut rater, ça? Ah oui, ça peut rater, oui. Ouais, ça peut miss. Bah, sachant que c'était Lucario, qui est type feu électrique, bon. Ouais, t'es plutôt content. Ouais. Sur une échelle de 1 sur 10, tu es plutôt à 12. Ouais. Boule pollen. Ah, ça va. Bon, je pense qu'en vrai, je l'aurais tenu, mais. Bon, par contre, moi, je suis perdu, là. Il est perdu. On va partir sur du Technobuster. Ah non, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Ah, ça tue pas. Oh, le Là, Meowcric lumiqueux. je suis à la pension, il faut remonter au nord, c'est ça? Ah oui, t'as pas affronté Kennet, je suppose. Non. Non. Bah, tu peux y aller, ouais. Peut-être des dresseurs aussi à la pension, je crois. Ah bah là, je me... là, je... ah bah là, ça va être un combat double. Incroyable. Oh non. Oh non, c'est chiant ça. Mais t'aurais pu utiliser le talent incroyable de Kecléon, du coup. Fouinette et Pikachu. Ah bon? Mais Paul et Piaf nuls sont va-t'en. envoyés au combat. Aura Dahlia qui ténébreuse me de Pikachu. dérange. Hop. Par contre, attention, je crois que la console elle va ramer un peu du cul. Hein. Ah. C'est le matin, elle se réveille. Non, c'est dans surtout le combat double. Ah oui. Oui, bah ça c'est sûr. Ça change pas. Bon, Pichu one shot par Lucario, ça c'est stylé. Ma petite gueule. Ah, le cruel pas super efficace, mais qui fait quand même un bon 75%, hein. Danse flamme de fouinette. Legit. Reptincelle. Allez, dis-moi que t'es type feu. Comme ça, le Techno Buster, tu vas le sentir pas. Air Glacia. Hein, t'as pas l'air type feu du coup. What? Les dégâts? Oh! Ah oui. Paul le Lucario et Piaf nul a été en speed tie depuis le début en fait. Oh! Mais Malos, il me fait peur à chaque fois. Il prend tellement cher sur des attaques random comme ça. Ouais, KFC. Ah, j'ai trouvé Tilly et Gladio. Bah, je vais aller faire d'autres dresseurs. C'est marrant quand même, un Reptincelle de type glace. Un peu con quand même. Hein. Je Oh sais pas putain, si. il est glace combat, il m'a fait casse-brique sur mon type acier. Mais je tank. Nidoran, le speedrun. Ah oui. Vite, Brise-moule de Nidoran. faut que tu l'entraînes niveau
Niveau 8 pour avoir corne. Je vais faire une petite air glaciaire. Je vais me soigner. Je crois que l'écrimeux là de la meuf, elle nous soigne. Hein. Donc, je vais parler à l'écrimeux. Oh sombre. Ah. Oh. Oh ça va, ça fait rien. Les Pokémon sont soignés. Je vais changer un petit peu de Pokémon en première position. Allez, je vais mettre Neko, tiens. Bon, il est un peu nul, hein. Mais voilà. On va voir ce qu'il donne. Ah oui, le combat double. Attends, on va mettre Neko. Fleur nulle après Myria Flèche, je veux apprendre Myria Vague. Oh. Ah, c'est bien ça, j'aime beaucoup. Nana, l'ennemi ne peut pris dedans ne peut pas s'échapper. Ah oui, c'est ça. Bon, on va oublier Jet de Sable. Allez, hein. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Bon, du coup, en fait, mon fleur nulle qui est Dragon Sol a les deux attaques signatures de Zygarde, donc en fait, c'est Zygarde. C'est Zygarde. Ne cherchez plus, mesdames et messieurs. Il te manque le truc, là, dragon, là. Ah oui. Comment ça s'appelle? Oui. Sanction suprême. Sanction suprême. Alors voilà, que moi j'affronte un Axolotl et un Enupio en combat double. Non mais là je pense, mais les abonnés, je pense que vous là c'est bon, là vous pouvez réveiller vos grands-mères. Qu'elles voient cet épisode, qu'elles voient ça au moins une fois ça dans leur vie. C'est beau. C'est le gameplay. Et c'est beau ça. Calcination, super efficace. Au revoir Meditica. Oh, en vrai, fleur nulle, au départ, je ne pouvais pas le saquer. Franchement, je pensais bah, que... Bah le Pokémon, il est pas super ouf en soi. Et en fait, il devient bon, ce petit con. D'ailleurs, on va le mettre Axolotl, jet de vapeur. On va le mettre en première position. Allez. Oh, il y a une CT, là. Où ça? Tu vois la route au nord? Ouais, j'y suis. Si tu vas tout à droite, vraiment tout à droite... D'accord. Il y a une espèce de petit truc sur lequel tu peux monter, tu peux trouver une CT. C'est après le combat double? Ouais. Ouais, même encore plus loin. Et j'ai trouvé la CT éclair fou. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, le problème d'éclair fou, ouais, c'est le recul. Et j'ai déjà Piaf Nul qui connaît qu'a pris éclair fou pour monter de niveau. Ça veut pas dire qu'il va la prendre par CT. Non, mais attends, du coup, il y a de l'herbe, donc là, du coup, ça veut dire une nouvelle zone aussi, ça. Ah ouais, c'est une zone, la route, là, où on est. Exactement. Bah, du coup, je suis à côté de l'herbe. Bah, du coup, on va faire la zone, allez, c'est parti. Ouais. Ouais. Du coup, pour moi, ce sera... un... ah, ça annonce bien la couleur. What the fuck, mon gars. J'ai un Pyrony Souffle Delta. Ah, moi j'ai un flat bébé qui pour le moment n'a rien fait. Pyrenil Souffle Delta. Meyarekwaza. Bon, vu que moi je lis les commentaires, hein, tous les vidéos, on m'a dit ouais, je prends Mireille, prends Kecléon, il y a du challenge. Ah oh, putain, il a mur de fer, ça veut dire qu'il est type acier, putain. Comment est-ce que je vais l'affaiblir? Ce connard de Kecléon qui est type glace. Ah oh, putain. Ah là là. Je vais envoyer les fendus. Quelle calinerie. Relais, non ça ne marche pas. Alors moi j'ai pas pris Michel Sardine, parce que j'ai déjà des Pokémon assez faibles, hein. Les fendus, elle est pas terrible, vraiment pas terrible, et Neko aussi donc. Mais il est con. Oh vas-y. Mais il est con le Pyrodile. Mais il est teubé. Son talent c'est Souffle Delta depuis tout à l'heure, il spam danse plus, ça marche pas putain. Mais... Ah, génial comme Pokézan encore. Ah, au point météore, ça par contre c'est mieux. Allez, on va attraper ce flab bébé. Bon, au moins il est roche ou acier. A priori, il devrait être roche. Acier, pardon, vu qu'il m'a fait point météore. On va lancer une Super Ball. Par contre, ça peut devenir un pirate, c'est ça, c'est stylé. Mais dans longtemps, quoi. À niveau 65, je crois. Ah oui. De mémoire. Et Souffle Delta, c'est pas super intéressant quand t'es type acier, tu vois. Et hop, la bébé est attrapée. Incroyable. GG à toi. Mireille gagne 208 points d'XP. Mireille monte au niveau 18. Hourra. Jouer au bois, raisonner musette. Tu as enfin un Pokémon qui peut évoluer. Mireille veut apprendre Blizzard. Non.
Non. C'est non. Voulez-vous donner un surnom Fleuve bébé? Ah, petite dédicace. Allez, c'est parti. Vu qu'en strat, cette personne m'a toujours bien cassé les couilles avec son Florges. Ah. Alors, du coup, on l'appelle Naalix. Ouais, voilà. Naalix, c'est ce que j'allais dire. Alors, on va prendre Fleuve bébé dans l'équipe. Allez. Il voulu quand, lui? À la place de Mireille. Mireille, tu pues. Du coup, t'as deux fleurs dans ton équipe. C'est bon, le pyrénée est en train d'attraper après une série de balles envoyées à sa gueule. Ouais, il est type acier, je pense. Il est électrique ténèbre. Et ouais, non, en fait, il pue un peu la merde. Ça existe électrique ténèbre, ça? Et il est jovial. Oh. Non, Electric Tem, je crois pas que ça existe. Mais okay. Non, mais bon, son talent c'est Force Sable. Alors, du coup, moi j'ai Chiwi, parce que c'est Pyronil. Donc, il est Sol Acier. Ouais. Il a Souffle Delta, Danse Pluie, Point Météore et Vampirisme. Ah, c'est beau. Pas mal. Je sais pas encore. Je sais pas si sous Delta, bon, c'est un peu mettre, de la merde. Je vais le mettre en lead quand même, parce que bon, j'ai l'espoir. Ça me fait encore un type acier. Est-ce que... Il y aurait... J'hésite entre enlever Neko ou éléphant nul. Ok, le Fleuve bébé qui apprend 0 CT de que j'ai dans mon sac. Je pense que ça va être éléphant nul. Bon, du coup, moi je marche vers Gladio. Hein. Ça marche. Je vais récupérer ma CT là que toi t'as eu. Qui doit être dans ce coin là, je suppose. Ouais, je pensais qu'il avait déjà récupéré. Ouais, c'est ça. J'étais juste à côté en fait. Ah ouais, gros CT, hein, putain. Je me suis fait chier pour aller ramasser ça, s'il te plaît. Darnué. Ah oh merde, ouais, je me suis Mais Neko Ah oui, c'est vrai. Bon, j'espère qu'il l'apprend par contre. S'il l'apprend. C'est pas mal, ouais. Enfin, c'est du 10 de power, mais bon, c'est pas grave. Oh, Manzai. J'ai perdu en beauté. Et là, on fait la première rencontre avec Gladio. Oh, salut The Dr. Cell, le mec tout en noir, il fait peur. Putain de raciste. Alors oui, c'est moi, non, ce n'est pas moi, jamais entendu parler d'elle. Jamais entendu parler de lui. Ah, je vois que t'es plutôt méfiant, tant mieux, la vie ne pèse pas ta garde. Mon nom est Gladio, nanana, type 0, acquiert sa puissance, blablabla. Type 0, mon cul. Ouais. Ouais, mais tu vas pas avoir type 0. Ouais. Mais je suis sûr que tu vas me sortir un truc bien strong. Ouais. Un truc que je vais jamais pouvoir passer, ça va être stylé. Allez, il a deux Pokémon. Il m'envoie un marque à crin. Sauf Kipou, qui est shiny. Oh. Et moi j'envoie Naalix. Marc à crin niveau 20. Ouais, alors il est niveau 20. Bon, on va tenter un petit aile d'acier pour voir un petit peu près doser le marque à crin. Ah, c'est super efficace, les one shot, putain. Moi je vais envoyer fleur nulle. Neko qui a fait un no HKO. Pas mal. Je vais envoyer fleur nulle, moi. Et le dernier Pokémon, oh putain. Vampirisme. Oh non, le pire. Oh non. Ton Pokémon. C'est ton Pokémon, merde. J'affronte Archéodong. Ah, tu vas te faire rect. C'est un peu défensif quand même, Pokémon. Un peu défensif, hein. Hop, on va faire une Myria Flèche. Furibon. Je vais envoyer KFC pour voir, parce qu'il est type acier KFC. Et du coup, l'attaque qui baisse. Il tanque pas mal de statique. Trucs. Statique de fleur nulle qui s'active. Nice. Myria Flèche. Allez, chute partie. Glace. Oh. Myria Flèche, c'est un 2 HKO, ce n'est pas très efficace. Bon, par contre, je perds des PV avec l'orbe vie, ça c'est moins. T'as l'orbe vie? Ouais, je lui ai mis l'orbe vie à fleur nulle. Oh. Ah, il craint le typo, l'arc. Ah, il est. Ah putain, il est feu! Non, je suis assis, nique ta mère! Non, KFC est mort! Sors bouboule. Ah, KFC est mort. Non. Ah. C'est bien, Archéodong. Et la lance flamme! Il m'a fait un lance-flamme du turfu, mon gars. Ah, c'est compliqué. Sur Sorboubou, je vais envoyer Lèche-moi, tiens.
Je suis pas sûr que Magnette puisse tanker. Ah, quoi quand même, hein. C'est neutre. Riposte. Riposte. Oh, normalement, ça va. Normalement, Riposte devrait plutôt bien l'enquiller. Enfin, Bah, c'est une double DDA que tu lui as fait. ouais. En attaque Je vais faire physique, bien Pico sûr. Défense, voir s'il refait Riposte. Parce que le truc, c'est que si je le tue pas avec Choc Météore ou quelque chose comme ça, balayage, ok. Et qu'en fait, j'ai peur qu'il me refasse Riposte, que je le tue pas. Je vais envoyer Soleil Nul plutôt. C'est Soleil Nul, c'est la safitude. Magnette a tanké à 9 PV! Orbe. Oh, tricherie! Ah, cette tricherie! Elle a fait midlife à Soleil Nul! Ah, oui. Ah, Ah! j'ai gagné! Mais il a failli me niquer deux de mes meilleurs Pokémon, ce con. Enfin, il m'a niqué KFC, hein. Ça, il me l'a niqué. Hein. Il m'avait fait lance-flamme et il était plus là. Hein. Est-ce que je tente le soin? Oh la vache! Je pense qu'on peut tenter le soin. Hein. Normalement, on est rapide. Hein. Ouais. Acide. Ouais. C'est quoi acide Ah déjà? putain, il va spammer maîtriserie, hein, le fils de pute. C'est mieux qu'il crasse face, on va dire. Ah Ok. putain, je sais pas quoi faire. Ah, je suis pas bien. Ah, alors, hein? Et je me dis, Ok, putain, en plus, graduation. il est peut-être de type TM s'il a tricherie. C'est possible. Du coup, je peux pas tenter le trou dimensionnel. Eh ben non. De toute façon, je peux. Vas-y, je peux respammer. Je peux spammer soin. Et vu que l'ordinateur est con parfois, Il il peut pourrait changer changer d'attaque. d'attaque. Il pourrait changer d'attaque. Non. Pour le moment, il ne change pas d'attaque. Je vais me prendre un tricherie crit. Ça va être stylé. Hein. Ouais. Truc, c'est que j'ai pas vraiment grand monde à envoyer parce que, en fait, tout le monde prend cher sur la tricherie. Ah ouais, ça c'est dommage ça. Et si tu montes ta défense? Ah mais non, t'as plus bouclier. Non, mais j'ai force cosmique, quoi, mais. Ça marche normalement. Oui, mais le problème, c'est que. Il te faudra un tour, je Non, suppose. mais en fait, là, le truc, c'est que même si je fais force cosmique, Ouais. normalement, il devrait me tuer, en fait. Ouais, il te faudrait un tour qui change d'attaque. Ouais, c'est ça, hein. Et pour commencer à te placer. Ouais, c'est compliqué, là. Et Tilly qui me donne 3 rappels. Merci beaucoup Tilly, hein. Putain, mais Objet il spam primordial. tricherie, hein. Oh putain, il y a encore un combat double après. Oh la vache. Et le truc, c'est qu'à force de faire soin aussi, je suis perdant parce que, en fait, je récupère moins de vie qu'il m'en inflige. Ah non, Docteur Cell dans une impasse. je vais switcher. Il va devoir sacrifier un Pokémon. Oh, j'ai repéré avoir Fion dans la zone. Fionne. Quel est le Bref, hein. poké de tous mes pokés, quel est le poké qui a la plus basse stat d'attaque? Et la plus haute défense du coup. Oh, je trouve la CT chute glace, une très bonne CT. MDR, c'est Flabébé. Et chute glace, Nidoking peut la prendre. Ça, c'est bien ça. On va pouvoir oublier Champ Herbu, hein. Putain, c'est con que j'ai enlevé Mireille, parce que Mireille, c'était le sacrifice parfait. J'avoue. Et Chiwi peut apprendre également chute glace. Mais même Malos. Après, Flabébé résiste à la tricherie. C'est type quoi avec Flabébé déjà? Électrique Ténèbres. D'accord. Ouais. Après, le truc, c'est que je tente pas une attaque de type combat, normalement. Il a une Après, attaque de type combat? c'est balayage son attaque de type combat pour le Ah, c'est moment. pour. Ouais, c'est en Et vu fonction que du poids. balayage est pas très lourd. Vu que Flabébé est pas très lourd, il y a peut-être moyen d'eux. Et après, le truc, c'est que je peux faire mur de fer, puis relais. Les bonnes strats. Et relais est banni, hein. Je vais Relais est banni tenter. de l'overuse, même du Uber. Je vais tenter. Je vais tenter. Tricherie. Ah, attention, ça, je vais prendre combien? Ok, j'ai pris quand même 20%. 20-30%. Allez, on tente. Mur de fer, c'est parti. Il continue les tricheries, très bien. Allez, c'est parti, mur de fer. Je vais faire le combat double du coup. Super potion, allez, c'est parti. J'espère qu'ils vont pas me rect. J'aime pas les combats doubles. On est obligé de le faire. Hein.
j'ai l'impression. Et il continue à se mettre tricherie, je sais pas pourquoi. Et là, par contre, la tricherie commence à faire de moins en de... Ouais. Aéroblast. Aéroblast de Sorboboule. Ça va, heureusement, j'ai le type électrique. Jus de glace, ça tape les deux? Ah non, dommage. Non, ça tape pas les deux. Champ antique, du coup. C'est Avalanche qui tape les deux. Ouais. Donc là, paf, super Bulldo, potion. C'est pareil, ça tape pas les deux, mais écume, oui. Dommage. Limite, je pourrais faire surf. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est relais. Et là, maintenant, on fait relais. Là, on est à... là, il y a plus 4 de défense. Et là, on fait relais et on va faire le relais sur Lèche-moi. Parce que je vois pas trop, en fait, qui d'autre... Quoi, t'es lourd avec Lèche-moi, non? Ouais, mais j'ai le type vol. Ah oui, donc ça va. Après, ah, la danse du feu, putain, je suis plante insecte. Mais ce qui me fait toujours peur, c'est la riposte aussi. Pourquoi le type feu est partout? Pourquoi Hidokim vient de mourir? Après j'ai beaucoup de PV avec les chemois, du coup. Allez, normalement choc météore qui va taper deux fois. Balayage. Ça n'a rien fait du tout. C'est l'hécatombe cet épisode. Allez, choc météore, vas-y lèche-moi. Faut tuer l'énergie, hein. Ok, c'est bon. C'est vent parfait. Violent. Ah oui. Et il me met de la confusion en plus. Flabébé qui a totalement carry sur cette game. Hein. Tue l'énergie, s'il te plaît. Oui. Lèche-moi monte au niveau 23. What the fuck. Nalix monte au niveau 18. Tu te rends compte que ce combat double, là, juste après Gladio, a full counter Nidoking. Vent violent, danse du feu. x4x4. x4. Allez, bisous. Du coup, il est mort? Ah oui, il est mort, ouais. Oui. Ah putain. Il a pas demandé son reste. Hein. Il a dommage. Fait ouais bon allez salut. Le speedrun ce sera pour une autre fois. bon bah j'annonce qu'il y aura plus beaucoup de montage dans les vidéos. Merde. Ah j'en vois qui là. Ouais Chiwi est sol acier, ça passe. Bon du coup il doit être type Il doit être type vol Pifeuil. Souffle Delta. Ah oui, j'avais oublié que Magnette était type plante aussi. Bon, ça va, il a survécu. Mais par contre, je vais le switcher. Merci pour les 3 rappels, fils de pub. T'as mon équipe. Je n'ai plus d'équipe. Ouais, un combat double. Ah, bon, ouais, on va soigner. Le vent violent qui part sur Neko. Allez, Neko, tu peux tanker. Oh la vache, il prend cher. Hein. Mec. Le Pifeuil, il est type vol. Ouais. Et mon Pyroni, il a souffle Delta. Du coup, en fait, bah, les attaques glace, ça lui fait plus rien. Ah, c'est stylé, ça. Merde. Non. C'est de la triche. Tu triches. Ah, tu triches. Bon, pourquoi allez, on va faire le combat double et on va mettre Lèche-moi et puis Lucario. Oh non, j'ai soigné le mauvais Pokémon. J'ai soigné le mauvais Pokémon. Oh oui, il est con, il a fait vent arrière. Oh oui. Vent arrière, comme dirait Haricot. Ah, le vent qui sort du cul. C'est bon, le Pifeuil est tombé. J'ai mis ce clic, j'ai soigné le mauvais Pokémon, mais je et me suis Lionceau pas fait punir. Et Brindibou. Et Lionceau et Brindibou. Ne te fie pas aux apparences. Je me suis fait avec par un l'énergie. Eh bien, du coup, je vais déposer mes deux Pokémon, hein. C'était bien.
Il est quel type déjà, Lionceau? Normal ténèbres, ok. Du coup, on a perdu, eh bien, KFC, adieu, et Nidoking. On va faire calcination et puis choc météore. On va récupérer, je pense, Ariane. Hein. Il me paraît ok. Et Lionceau utilise Press. Attaque signature de Riga, ça. Et peut-être contre, on va prendre Chien, je pense. Ouais, je pense Chien est pas mal. Ça me fait un type vol. Pas mal. Rendez-vous utilise Cascade. Ah bah, au revoir Lucario. Ah ouais? Ah oui, t'étais, bah... oui t'es feu électrique. Ah bah oui, sauf que ça, je pouvais pas le deviner qu'il était type O, ce fils de pute. Les combats doubles, c'est toujours meurtrier, hein, c'est... Ça ne pardonne pas souvent. Bon bah, je vais t'oublier d'envoyer plaf nul, hein, la sanction suprême, hein. Enfin, pas la sanction suprême, pas l'attaque, mais... Bah, il va se prendre un éclair fou, et puis voilà, hein. Eh oui. En soi, je vais faire pico défense avec lèche-moi. Ah bon, j'ai acheté quelques petits trucs là au shop parce que je commençais à avoir plus de potions et plus de Super Bowl. Du coup, je vais faire les petits combats là dans cette zone. Pendant que tu fais ton combat double. Ouais, ça y est, il est fini. Oh bah, nickel. Bah, du coup, on va pouvoir reprendre Mireille dans l'équipe. Ouais. Hein? Arco. Du coup, il me reste plus que Magnette, qui est quand même assez fort. Faut essayer de le conserver, ce serait mieux. Bon, bah, Paul le Lucario est décédé. Écume. Ok, ça passe, je résiste x4. Oh non, à mon grand regret, Kiklion n'est pas mort, du coup, il n'a rien à faire dans la boîte avec les morts. Dommage. Eh oui. Okay, oh, en vrai, j'ai même... Non, j'ai même pas envie de le prendre. Ouais, tu prends pour le sacrifier au pire. Ouais. Ah tiens, le sauve-keep lui, tiens. Ah, augmentons le nombre de produits en vente. Ah bon, très bien. On va vendre les rappels qui ne servent à rien. Ok. Hop, le pognon. Acheter. Je vais reprendre des Super Bowls. Je vais reprendre 11, comme ça m'en fait 20. Prendre encore quelques Super Potions aussi, je vais en prendre 11, ça m'en fait 20. Ah, c'est un Pokémon dans l'eBay. Des potions, j'en ai encore. Je vais reprendre quelques repousses aussi. Arbok dans l'eBay. Ouais. Je vais prendre 16. 36, voilà, et c'est là où on est bien. Là, on est bien. Ouais, je vais prendre quelques lions quand même en sacrifice. Ouais, pour sacrifier. La char à canon. Le rituel de sacrifice. J'adore sacrifier des bébés sur l'autel de Satan. Ouais. C'est cool. Ça, c'est cool, ouais. Ça croustille sous les dents, quoi. Ah, oui, des baies. Ah, un vieux monsieur. Ouais. Enfin, un fermier. Eh ben. Pardon. Et souhait. Désolé, c'est le pollen, hein. Oui, il y a beaucoup de pollen à Paris. Vous imaginez ouais, même. La pollution aussi. Non mais en vrai par exemple, non mais dès que je vais à l'école mec, c'est dès que je vais à l'école où je bosse vu qu'il y a plein d'arbres. Ah. Voilà. Il est tombé le pollen. Vas-y, je vais faire tête de fer sans aucune race aucune. Poichijon, hop. Poichijon, le décès. La mort en poule. Je suis perdu mon gars. Ara quoi? Ah bah j'ai tout fait sur la route. Bon, du coup, enfin toi aussi je suppose, c'est le dernier dresseur en fait là que tu affrontes. Est-ce qu'on commence l'épreuve de type O ou est-ce qu'on fait ça pour le prochain épisode? Ah, on fera ça pour le prochain épisode. On fait ça pour le prochain épisode, ouais. N'oublie pas, il y a une CT qui est cachée dans les herbes. Flabébé qui évolue. Oh, stylé. Donc n'oublie pas ta CT dans l'herbe. Justement, elle se trouve vers ce fermier. Je pense que t'es... Oui, je suis là. Voilà. Donc tu continues. En fait, En fait, c'est au milieu de celle-là où il y a l'eau, là. L'espèce d'eau. Elle est un peu planquée. Félicitations. Nalix évolue en floette. Incroyable. Wow. Alors, elle va se taper un double type de merde. Et un talent... débucal. Allez. Et pronostic.
Ou alors, non, pire. Enfin, pire, non, pas vraiment. Normalise. C'est un bon talent de merde aussi. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Défaitiste. Il est de type glace-vol. Ah, Articodin. Bonjour. J'aurais plutôt pensé à quatre oiseaux. Ben, mais... aussi. Et son talent, c'est pose sport. Ouais, ça peut être utile dans certains cas. Ça peut toujours être utile. Mmh. Bon, du coup, je vais récupérer la CT. Mais attends, je vais mettre un coup de rappel, du coup. De repousse, de pardon. Repousse, ouais. Pas un coup de rappel, justement. Eh oui. Hop, il ne faut pas faire l'amalgame, parce qu'en anglais, eh ben, les repousses s'appellent rappel, tout simplement. Et là, les ripples. Eh oui, les ripples. Les répulsifs. Ouais, trouver la CT. Bombacide. Ah, Bombacide, c'est ce qui est... Super attaque, ça, ouais. Qui bah, permet de baisser la défense spéciale de deux crans d'un coup. Ah, c'est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que j'ai des Poké qui peuvent la prendre? Il y a que lèche-moi, bon. Ouais, c'est un peu moins utile, étant donné qu'il est vraiment axé sur le physique. Voilà. Bon, bah, du coup, on va se laisser là, les petits amis. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, celle de Dr. C et la mienne, à lâcher le pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve vendredi 16h pour la suite de cette aventure exceptionnelle. Et on pourra faire le Pokémon dominant de type O, hein, bien évidemment, on ne sait pas. Du coup, des bisous tout le monde, et bye bye. Allez, salut.